Unicorn, j'ai nommé Unicorn Overlord. Unicorn Overlord de Patine. Il est beau, il est frais. Il est tout de bière, il est rendu. Donc voilà. Unicorn Overlord. C'est le temps. C'est validé. Sur ce jeu, excellent. Le jeu, j'ai acheté, j'ai commencé pareil, quasiment après FF, le 15 mars, il est sorti. Le 8 mars, il est sorti évidemment. J'ai reçu le 15, ça, ou la 15, c'est une croyant. Il est chaud, je l'ai payé en plusieurs fois parce que, pas de sous, le FF. Mais voilà, un très bon jeu, Tactical RPG, face au Vanillaware, par le studio japonais, Vanillaware. Studio filiale de Sega, tout ça, mais bon. Le studio qui fait les jeux à l'ancienne, parce qu'il y a un petit groupe d'anciens. Rameur, Georgi qui est d'Alice, je pense, avec son groupe, et puis l'institut musical de Mazescape, fondé par Hitoshi Sakamoto. Il a fait des jeux connus comme des conseillers de leur temps. Il travaille sur, à l'époque, sur Sega, Saturn, sur Dreamcast aussi, et PS2 aussi. Il a fait des jeux comme Odin Servicier, Murasa Oboro, Press and Scroll, bien sûr. Et plus récemment, donc Red Crown, et après il y a eu Trace of Niel, il y a eu d'autres titres aussi que je ne me souviens peut-être plus. Non, c'est ça. On est sûr, le remake Remaster en 2016, bien sûr que j'avais aussi. Voilà, là, ce sont des jeux sortis, le plus récemment sortis. Là, ils sont sur tous les supports, mondialement presque, en PS4, en PS5, Xbox et Switch. La Switch est déjà utilisée partout, les PS4 tout le monde aussi, les appris, le PS5 là. Et je l'ai acheté, et c'est pas déçu, c'est un jeu action RPG. Alors c'est à l'époque médiévale, on sait que médiéval, donc c'est médiévalique, avec les rois, des clones, des traîtrises, de magie, tout, c'est excellent. Et au bout de genre, 3 mois, je l'ai fait. Moi c'est bon, parce que j'ai alterné entre ça, les lives, entre ça, FF et c'est la bête d'autres jeux. Donc j'ai pas trop de temps, donc je l'ai fait. Mais là, j'ai fini, il y a pas de tombé hier. Pour plus grand plaisir parce que les jeux ne sont pas mérités. Du coup, je me dis, il n'est pas obligé de le faire en méga hard ou autre, il n'est pas obligé de le faire en noisy, ça passe. De temps en temps, ça ne peut pas de se prendre la tête, ça fatigue elle. Ou quoi, trophée des gars, mais ça, mais bon, je me dis, c'est plus pas parce que le jeu, facile, trophée est facile ou trophée ou du gars dur, que tu le fais pas, mais tu le fais parce que le jeu, studio, grand-mère, s'il te plaît, et sinon, tu ne vas pas te forcer à faire un jeu si tu n'as pas le genre de jeu. Pas faire un peu juste pour faire plaisir de jeu. Là, ces jeux, c'est une nouvelle effraie dans ce monde où tous les jeux sont tous très TPA, TPV. Là, ils ont fait du très peu de vente. Là, le jeu, il a qu'il a porté épuisé, donc il peut la lâcher par son débat. Voilà, donc moi, je rappelle la story. Une école merde. Une autre quelques vidéos, c'est grand, ça. Tout est là, bien sûr, tout est fait. Tous mes lives sont faits, bien sûr. Et je rappelle, tout est fait, le bon timing. Rien raté. Moi, j'ai le retour. Conseil à faire, conseil à l'acheter, c'est tout, c'est pas l'autre, hein, voilà. Plus, tu peux après, c'est des quêtes derrière avec tu peux écouter le jeu, et là, c'est un jeu que je conseille, plus on joue bien les chiens en plus, pour les volumes du bas, bien sûr. Du bas, j'ai même ça, faut voir. Toujours, allez, on est meilleur sur une patte graphique que les autres. Lui, non, peut-être pas, ou pas, on le fait. Voilà. Quand il est fait, et c'est vraiment un plaisir d'avoir fait à temps, tout ça. Enfin, j'aurais l'acheter parce que. Je pense que j'ai retraîné, j'ai acheté maintenant, mais là, c'est toujours nulle part. Moi, j'en ai marre, là, c'est pas donc, là, j'ai fait de la sur-boîte. Puis, il existe collector, il était à 150€,
Il est épuisé, mais vite fait, il a plus, donc il n'y en a pas, mais voilà. Dans le jeu, c'est des fois quand ça sort, dans les semaines ou mois qui viennent, après tu ne trouves plus à prix raisonnable ou à plus du tout. Donc alors c'est pas des jeux. Voilà. Donc il y a plus la vidéo, il y a des vite fait, tu vois, on peut dire que c'est laissé hier, après la petite, il n'y a pas eu lieu, là. Voilà. Ça c'est nickel. Et c'est un jeu à faire, bah, il faut la vie, il faut la refaire, il faut le faire, qu'importe. C'est un jeu qu'il faut faire. Avec ça. Merci. Au revoir. Ciao. Merci. Ah, merci.